Hey, 120 heures, c'est battu. C'est battu, c'est wallon maintenant. 120 heures, c'est battu, je un peu. Fini. J'ai marché de Liège jusqu'à Rome, j'ai fait beaucoup de marches et ça me prend beaucoup de temps dans la vie. Je me suis dit, bon, faut que j'arrive à me tester peut-être différemment, surtout ces défis mentaux. Donc j'ai regardé un peu juste sur internet, hein, tout simplement. Et c'est là que j'ai vu justement un Flamand qui avait battu le record du monde du plus longtemps temps passé aux toilettes. Et je me suis dit, bon, celui-là, il y a peut-être moyen que je le tente. Le record il est de 5 jours, mais on vise 7. Vous avez bien, on vise quand même plus haut. On est en live sur TikTok et ça a commencé maintenant. J'ai toujours un acolyte qui est avec moi. Il dort par terre en dessous des urinoirs. Bref, il oscille un peu en galère. Ça, c'est la position pour dormir. Petit plaid, j'ai deux poussins là contre le mur. Ça va dormir comme ça. Hein. Ah, attendez, après, je faisais que ça aussi. Regardez le réveil de Hugo. Ça va, t'as bien dormi? C'est pas un ami à moi qui est venu, en fait, c'est un abonné de Bruxelles. Il m'a vu faire ça, il s'est dit, bon, moi je débarque. J'ai pas passé de temps seul, il y a toujours des gens qui viennent me soutenir, qui ont discuté avec moi. Ils m'ont dit qu'il y a carrément la file et tout dehors, ouais, arrêtez. Ouais, ouais, ouais. Il y a la file, ouais. Mais c'est pas vrai. Ah, la dinguerie. Regardez, tous ceux qui demandent comment je fais pour aller aux toilettes. Voilà, j'ai prévu un petit truc comme ça, que j'attachais là, et on voit pas quoi, tu vois, je peux me retirer ça tranquille. Je me lève jamais, jamais, jamais. Si je me lève, je considère ça même pour moi-même un échec, donc voilà. Même quand je vais aux toilettes, quoi, je ne me lève pas. C'est vrai que c'est une question qui se pose, parce que bah, déjà la porte, je sais pas si vous pouvez le voir, mais la porte est toujours ouverte, et bah, en fait je demande juste aux gens de se décaler de la pièce, de sortir de la pièce, et puis voilà, en fait, je fais tout simplement mes besoins de cette manière-là. J'ai des fourmis dans les jambes de manière pas possible. C'est vraiment, je sais pas, je dormais, je me suis réveillé d'un coup, j'ai sorti fourmis. Et je sais pas, ça m'a réveillé un peu en sursaut comme ça. La nuit, c'est là où c'était plus difficile parce que voilà, je dors sur la toilette. Et donc vraiment dans des positions inconfortables, j'arrive à avoir des fourmis dans les jambes. Pour les fourmis dans les jambes, juste t'as besoin d'internet, comment éviter les fourmis dans les jambes. Et j'ai trouvé qu'on pouvait en fait marcher sur une balle de tennis. Ça faisait circuler la circulation dans les jambes tout simplement. Franchement, je passe des nuits à friser sur cette toilette. Les nuits sont vraiment pas super, super. Et après voilà les douleurs que j'ai des douleurs un peu passagères. Par contre j'ai l'impression d'avoir gravé les fesses endormies. Et ce que je pourrais dire à la fin, bah non en vrai ce qui me travaille vraiment en plus c'est que ça c'est un peu gênant de dire tout mais j'ai vraiment mal aux testicules. Bon les gars avec les sangs de la veine juste là. Eh hey, on a réussi ou pas? Ben bien sûr ça. Eh ouais. Battu le record, les frérots. C'est fini, eh hey, 120 heures, c'est battu. C'est battu, c'est wallon maintenant. 120 heures c'est battu, tu l'as un peu. Fini. Ah non là il y a une dinguerie hein. Là, je sais pas si vous allez voir, mais là, tout là, de là, c'est gonflé, wesh. Quoi? Je sais pas si vous voyez, de là à là. Elle m'a dit, faut arrêter, hein, il faut que tu te lèves, hein. Ça va pas mieux avec ça, et en massant, faudra. Et donc voilà, eau froide, sel, ange gardien. Faut faire attention, quoi. Oh! 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 Ça fait drôle, non? Oh, tu sais, mes jambes, elles sont toutes endormies, frère. Après, c'est sûr. Wow. Ça. C'est là, je suis pas pour rire, hein. Ah bah ça c'est sûr hein. Oh attends, j'ai mon dos aussi. Ah alors juste il y a tes fesses qui bouffent ton pantalon. Oh putain. Tu sais que c'est vraiment tout endormi, j'avais l'impression que... Attends, il faut que ça... Il y a du sang dedans ou quoi? Bah oui. Ouais, c'est bon, en vrai ça va. J'ai dit j'allais survivre. C'est ouf. Ça va ça. Eh, tu t'es levé d'un coup frère. Ouais, vite.